Peggy 16. Recoucou, nous voilà. Donc là, tout simplement, vous avez pu voir que le dernier épisode, je sais pas ce qui m'est arrivé, je me suis pris une de ces balles en fait fatales. Normalement, j'avais 4 barres, plutôt j'avais 5 barres de santé. Mais comme vous avez pu voir, c'est tellement imprévisible, c'est qu'on peut se prendre peut-être une balle, je sais pas, dans un endroit où le corps, on va dire, est très vulnérable. Donc là, cette fois-ci, je vais rester un petit peu plus, comment vous expliquer ça, en retrait. Je veux plus non plus me courir. Du projecteur et de trop. Donc là, on va essayer de détruire un petit peu tous les trucs qui me demandent de détruire, bien sûr. Donc, on va changer d'arme, on va prendre le sniper. J'observe tranquillement, et là, c'est bon, plus de projecteur. Donc là, je suis à 32 mètres, 33. Vous avez vu, en fait, à partir de ce moment-là, il faudra vraiment s'enfuir. Donc là, je suis à quoi? Je suis à 17, c'est bon. 2, 1, c'est bon. J'ai disparu de la carte. Donc là, je vais passer normalement au mode fantôme. Du moins, je l'espère. C'est bien ça. Hein. Non, en fait, c'est un jeu, j'ai remarqué qu'il faut pas courir, faut pas se précipiter, faut prendre vraiment son temps. En fait, faut se plonger dans la peau d'un sniper. Si vous arrivez à le faire, bah, je pense que après tout va se faire naturellement. Donc vous avez vu, fin d'alerte. Donc on retourne un petit peu vers là-bas. Donc je vais faire beaucoup d'allers-retours. Hein. Comme ça, je vais éliminer pas mal de gardes. Parce que vous allez voir, c'est quand même une mission qui n'est pas évidente. À mon avis, ça ne doit pas rigoler. Parce que vous avez vu, tout à l'heure, j'ai pris une balle par rapport au convoi. Au revoir. En fait, il ne faut pas mettre au-delà de 3 détonations. Parce qu'à partir de 3, c'est là que vous allez alerter les ennemis en permanence. Vous avez vu, fantôme. Fastoche. Donc là, les mecs, ils me cherchent. Franchement, j'aime bien ce jeu-là. Moi, je vais pas vous mentir, depuis le début, je l'attendais. Parce que le 2, je l'ai vraiment bien apprécié. C'est pas comme si j'arrive sur la saison du 3 sans connaître le 2. Le 2, je me suis vraiment fait vraiment plaisir. Et je me suis dit, attends, il y a le 3 qui va sortir. Je vais vraiment me régaler. Peu importe après le contexte géopolitique qu'ils nous ont mis sur le jeu. Mais je pense qu'on pourra faire pas mal de choses assez sympas. Donc là, il y a quelques gardes, donc je vais attendre un petit peu qu'ils me détectent surtout pas, parce que si je me fais avoir, je pense qu'on va passer un sale quart d'heure. J'avais vraiment envie de le tirer dessus, voilà, désolé. Une double détonation. Oh là 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 là. Le pauvre. Donc là, ça a été fait. Pour l'instant, ça va, je suis à l'abri, donc faut que je me cache. Faut pas que je me fasse repérer. Et bah voilà, déplacement réussi. Bon, j'ai hésité de lui tirer dessus là. Ça sert à rien. Parce que s'il se déplace, je n'ai pas une cible assez statique pour pouvoir le verrouiller. Lui par contre, en tout cas, je peux lui faire du mal. Hein. Donc je vais viser la tête. Waouh, 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 waouh. Comment il a pris très cher. Regardez, lui, je l'ai même pas vu passer. Le mec, tu sais pas d'où il sort. Bon, par contre, ça y est, je suis détecté. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas encore vraiment quelque chose où vous pouvez vous expliquer ça. Donc là, j'ai un peu plus de distance, on va dire, à parcourir pour pouvoir semer les gardes, parce qu'ils savent que j'ai je suis dans une position. Donc en fait, ils l'ont pris en triangulation. Ah, ils sont en train de m'encercler un petit peu de tous les côtés. En triangulation, les petits malins. Regardez comment ils sont en train de me prendre en tenaille dans pas longtemps. J'espère juste qu'il n'y en a pas un qui va arriver par derrière. Parce que j'ai toujours des petites surprises par-ci, par-là. Je reste quand même méfiant par rapport à tout ça. Hein. Donc je vais faire un petit dodo. En attendant qu'il y ait un garde qui veut monter. J'observe la carte hein, en bas à gauche. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y en a un qui va arriver dans peu de temps. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Au revoir. Où est-ce que tu la prends? Dans la tête. Ou à côté. Donc parfois aussi, vous avez la possibilité de fouiller les corps. Et aussi de les... comment ça s'appelle? Les transporter pour les cacher, en fait. Pour pas que les autres gardes les voient, en fait. Sauf que moi, je vais un petit peu à l'arrache. C'est que je connais un petit peu par rapport aux deux. Bon, il y a des missions où tout simplement, faudra prendre le corps. Mais après, c'est pas vraiment quelque chose de... vous expliquer, d'obligatoire pour pouvoir semer les ennemis. Il suffit juste d'abattre le garde à proximité du corps et c'est bon en fait.
Mais c'est pas forcément évident parce que des fois l'ordinateur est tellement imprévisible. Donc là-bas, il y a quelque chose à faire, donc à fouiller bien sûr. Rappelez-vous, c'est que j'avais déjà battu deux officiers, donc ça c'est le dernier, le troisième. On va pas se précipiter, on va aller vraiment prudemment. Là, je vais me faufiler tout doucement sans me faire remarquer, hein, parce que j'ai ramassé enfin un petit peu des munitions, mais ça c'est plus pour le pistolet que j'ai ramassé. Oh 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 oh. Là je me suis totalement loupé comme vous avez pu voir. Donc je repars en arrière. Ça sert à rien de rester on va dire devant pour me leur servir de cible. Regardez comment ils descendent tous. Mon rythme cardiaque, faut savoir que dès que vous allez sprinter, votre rythme cardiaque bah, bien sûr va être essoufflé. Et pour pouvoir être un bon sniper, bah, tout simplement faut essayer de contrôler sa respiration. Putain mais il sort d'où lui? Waouh, comment il a voltigé. J'ai vraiment envie de casser ça. Ça me démange, désolé. Encore un autre coup, et voilà. C'était plus fort que moi. Donc, le petit bonhomme qui est resté fixe, c'est en fait la dernière position où je me suis fait vraiment... comment vous expliquer ça? Où j'ai sonné plutôt mon alerte. Ou ma détection, appelez ça comme vous avez envie. Donc, mieux vaut s'éloigner du corps. Ça vous sert, on va dire, de repère. Mais en tout cas, j'avais décidé de faire un petit peu de frag là, donc je vais essayer de leur faire du mal. C'est bon, ils n'existent plus. On va leur mettre un petit coup au cas où. Enfin, c'est bon. Ah, regardez le malin. Est-ce que je vais l'avoir? Comment tirer? Attends, hop, 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 te cache pas. Oh, je l'ai touché, il a rien eu. Si, en pleine tête. Pas en pleine tête, mais juste à côté. Des fois, je préfère mettre plusieurs coups. Comme ça, je suis sûr qu'il va pas se relever. Hein. Même si tu l'as neutralisé, des fois en fait il peut être blessé et d'un coup il se relève comme s'il avait rien du tout en fait. Il est en pleine santé, donc là c'est bon. Donc la recherche est terminée. Donc si vous avez l'occasion de jouer à ce jeu là, franchement croyez-moi, faut aller doucement, faut pas courir, faut pas non plus arriver tout tuer en mode bourrin. C'est plutôt un jeu où il faudra prendre votre temps. Donc là il m'a détecté. Et ben voilà. Au revoir. Tu ne fumeras plus. Waouh. Comment je viens de ma... Aïe 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 aïe. Comment je viens de tomber en plus. Donc les gardes, attention, vous pouvez tomber nez à nez avec eux. Hein. Donc là, je vais quand même rester prudent. Et bah justement, il y en a un corps à corps. Comme ça, je déclenche pas de coup de feu. Je vais fouiller un petit peu son corps pour voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Des munitions. Encore pour ce fameux petit pistolet. J'en ai pas forcément une grande utilité pour le moment. Mais après, vous allez voir que dans le prochain épisode, j'essaierai de vous personnaliser les armes. Je pense que ça va vous faire plaisir. Donc j'ai pris mon temps avec lui, hein, vous inquiétez pas. Hein. Mais par contre, ce petit malin, il a quand même réussi à déclencher l'alarme. À signaler ma position auprès des autres camarades. Ah là 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 là. Comment faire et ne pas se faire avoir. Attendez. Donc nickel, c'est bon. Donc là, je vais vraiment essayer d'observer combien de gardes j'en ai. Donc là, j'en ai deux sur cette position. Vous avez cru que j'allais tirer, hein? Eh ben non. J'attendais tout simplement que l'alerte soit terminée pour pas non plus qu'il y ait un mec qui arrive derrière moi. Donc je vais plutôt observer cette fois-ci la zone sur laquelle je dois me rendre. Parce que j'ai pas que deux mecs, hein, croyez-moi. Hein. J'en ai encore d'autres, donc on va prendre un petit peu les jumelles. Je vais essayer de tous me les mettre, les mecs. Il y en a quand même pas mal, hein, ce que vous en dites. Donc là, j'observe un petit peu pour voir s'il n'y en a pas d'autres à côté. Donc là, il y a des... Oh lolo, oh lolo. Détruisons les camions, je neutraliserai leur voie d'approvisionnement. Eh, ils exagèrent tout ce que j'ai à faire. Hein. Ils exagèrent quand même. Hein. Nickel, ça c'est bon. Tous les cibles, ou enfin presque, ont été marquées. Je suis sûr qu'il m'en reste vraiment pas mal encore.
Bon, déjà, on commence à vraiment bien savoir. Oh lolo, mais c'est impressionnant. Donc là, vous avez vu, il faut vraiment être le mec le plus furtif. Entre parenthèses, hein, si je commence à faire un petit peu le bourrin, donc j'ai pas envie de recommencer et de vous faire, comment vous expliquer ça? Bah, redémarrer la mission depuis le début. Donc à moi de vraiment rester le mec le plus discret qui le plus dis ah, c'est bon, c'est nickel. Donc place à la discrétion. Je vais essayer de faire quelque chose qui va vous faire plaisir, les amis. À votre avis, ça va être quoi? Je vous laisse un indice. Ça va être quelque chose qui pourra faire une belle petite explosion. Ou une vraie élimination multiple. Faudra voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là, on est bien d'accord. J'ai trois gardes, hein, dans le camion, hein. Donc je pense que si je commence à tirer avec mon sniper à deux reprises. Donc la première, bien sûr, c'est pour enlever le cache. Comme vous avez pu voir. Voilà. Et la deuxième, immédiatement, faut remettre un coup dedans. Pour neutraliser tout simplement le moteur et le faire exploser, bien sûr. Vu qu'il est en marche, les pistons. Mais est-ce qu'il m'a tué? Pardonnez-moi. C'est que j'ai fait aucune explosion, j'ai pas compris. Donc là, je recule, hein, je cherche pas à comprendre parce que là, ils sont tellement nombreux. J'ai pas envie de faire le con. Donc, à part un ou deux que je pourrais neutraliser sur mon passage, mais le reste du temps, je préfère rester un tout petit peu discret. Lui, je vais essayer de l'avoir parce que c'est une cible tellement facile. Waouh, 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 waouh. Pour l'instant, je suis en mode caché. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? C'est pas mal pour l'instant. On commence à bien s'en sortir. Si je m'aurais pas fait dégommer, ou plutôt abattu dans l'épisode numéro 2, à partir de là où je suis positionné, je pense que... Regardez bien, hein, c'était franchement peut-être un coup d'hasard, mais je me suis fait bien avoir. Donc là, je vais attendre tout simplement que l'individu se disparaisse. Donc peut-être que je vais lui mettre une balle. Ouais, voilà, une en pleine tête. Allez, vas-y, 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 traverse sa tête. Aïe, 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 aïe. C'est un peu violent quand même, hein. Donc maintenant, on n'est pas forcément encore détecté, on est en mode caché. Des fois, on entend un petit éboulement, on se dit « Ah, c'est peut-être un garde qui arrive, mais ça va pour le moment. » Donc si je fais beaucoup d'aller-retour, c'est pas pour rien, les amis. Hein. Donc j'ai un style un peu différent, mais c'est mon style. Je joue vraiment maintenant comme un sniper. Je vais descendre un petit peu maintenant sur mon objectif. Donc là, je regarde bien, il y a trois gardes quasiment, ou plutôt deux. Là, je m'inquiète parce que peut-être que je peux tomber, je vais voir. Là, il y a encore quelques gardes. Hey, ils sont vraiment présents partout, hein, sur cette zone. Bon, lui, c'est caché, je peux rien faire, je peux pas l'atteindre. C'est pas trop grave, vous allez me dire. Donc là, il reste quelques-uns. Ouais, c'est bon. Tout le monde a été visité, là, pour le moment. Espérons que ça va bien se passer. Est-ce que je peux sauter de... à partir de là? Je regarde un peu. C'est bon. Oh là là. Parce que des fois, en fait, sur certains jeux, tu sautes ici, dans un endroit comme ça. En fait, il se foule la cheville. Ou il se casse quelque chose, par exemple. Ou il a un accident. Et c'est fini. Tu recommences. Donc là, j'avance vraiment prudemment. Je fouille un petit peu son corps. C'est nécessaire ou pas? Ouais. J'ai ramassé quoi? Une dynamite. Ça va me plaire, ça. Donc j'ai combien d'individus postés ici? J'en ai que deux. Il n'y en a pas un troisième quelque part caché. Donc j'ai deux choix qui s'offrent à moi. C'est soit je tire avec cette arme qui sert pas trop à grand chose. C'est bon. Et j'avais peur que l'autre mec soit... Comment s'expliquer? Qui me détecte. C'est bon. On a été pourvu. Promu, pardon, pourvu. Waouh, body, body. Commence pas à dire des bêtises. Donc, pour l'instant, les gars, je sais pas forcément qu'est-ce qu'on obtient. Mais à mon avis, je pense qu'on aura une progression dans le mode solo. Et après, on pourra débloquer, par exemple, des caches pour les armes, des meilleures performances, etc. Je pense qu'on pourra même débloquer, par exemple, pour les missions, je sais pas, des clés morts ou des dynamites ou des mines qui sont débloquables au grade 20.
C'est ce que je pense. Et ça m'étonnerait pas. Donc là, je suis en train de faire super attention parce que regardez, je suis quand même à découvert, hein. C'est ça le pire, hein. Et ils me voient pas, les mecs, hein. Ils me voient pas. Je reste. Je préfère miser sur la carte de la prudence. C'est bon, le corps a été fouillé. Là, faut que je détruise ça. Eh ben, ils m'ont encore mis des officiers. Ils exagèrent quand même, hein. Je me suis débarrassé de 3, maintenant il y en a un quatrième, et je pense qu'encore faut que je fasse pas mal de petites choses assez contraignantes. Donc je sais pas ce que vous en dites, mais pour l'instant ça va, ça progresse plutôt tranquillement. Si j'endommage ce générateur, mes tirs seront couverts. Donc là il y a un téléphone qui sonne, ou un télégraphe. Non, visiblement ça fait rien. Là je suis en train de voir un petit peu où tu actionnes ce truc. Bon, je vais pas l'activer, hein. Ça sert à rien. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas tirer dessus comme je viens de faire et essayer de déclencher quelque chose. Ça aurait été cool. Donc le sabotage est bien sûr sur le côté là-bas. Hein. Vous avez une flèche où il y a marqué sabotage. Mais je veux pas l'activer, ça sert à rien. Je vais essayer de la faire un petit peu en mode... comment vous expliquer ça? Bah plutôt discret. Je repère mes cibles, il y en a combien là pour le moment? Il y en a quand même pas mal, hein. C'est pas possible tout ce qu'ils m'ont mis. Donc ça c'est une caisse de munitions, ou dite d'explosion, on va dire d'explosifs. On a deux chances, hein. Deux chances, je raconte moi deux chances. On a deux possibilités, c'est soit je la récupère, ou soit j'essaie de la faire exploser. Donc pour l'instant, il y a quelques gardes, j'essaie de pas trop sortir le bout de mon nez. Donc ça, comme j'ai expliqué, hein, c'est pas forcément utile. J'essaie de prendre, on va dire, un angle de vue. Non, c'est pas trop ça. Et je vais sauter dans pas longtemps, maintenant. Là, par contre, il me demande des trucs un peu bizarres. Détruire ce genre de choses. Mais là, t'es tout de suite détecté quand même, on est bien d'accord. Hein. Quoi que tu fasses, hein. Ouais, mais le briquet, c'est bien beau, mais... Je vais le faire à l'ancienne, comme ça tout le monde va être content. Il y aura un petit peu d'explosion. Donc ce pistolet-là, franchement, de vous à moi, je le déteste. Vous allez me dire pourquoi tu le détestes. Parce qu'en fait, il est pas précis. C'est pas un jeu comme un Call of Duty ou autre chose. Hein. Tu ne vises pas comme tu crois. C'est un jeu de... C'est un jeu où c'est pas forcément, on va dire, les balles peuvent partir n'importe où, donc c'est à vous de bien cadrer votre tir. Mais en tout cas, je suis vraiment pas fan parce que c'est une arme, on va dire, que tu mets une balle et que tu te loupes, il met le temps qu'il chambre la prochaine cartouche dans la culasse. Bah, t'es carrément retardé. T'es carrément. T'as un vrai temps de retard. Pour verrouiller ta cible à nouveau. Vas-y. Regardez là, je l'ai tiré au corps à corps, il a rien eu. Donc ça fait 2 balles pour l'instant. Et le mec il a toujours rien. Bon, limite 3 balles qui partent un petit peu en fumée. Donc là je vais décider de monter, hein. Je vais pas chercher à être confronté au niveau du bas. Avec tous les gardes qui sont en train de me tenir en joue. Regardez tout ce qu'ils sont, c'est impressionnant quand même, hein. Ah, ils sont en train de bien faire la fessée. Ah là là. Bon, c'est parti, vous voulez un petit peu d'action les amis? Je vais essayer de vous faire plaisir. Ah par contre oui, on va vous faire plaisir, je vais tout mettre à côté. Donc pour l'instant j'ai bien joué, mais là je commence un petit peu à repartir dans le mode de stress. Le mec, ça y est, il pète un plomb. En plus j'ai pas forcément beaucoup de balles, ça va être pas mal. Donc des fois faut savoir que c'est pas aussi précis que vous le croyez, hein. Et bien, et encore heureusement, parce que ça n'aurait pas de sens en fait. Si tous les balles allaient directement du premier coup. Donc là j'ai juste un garde, je vais essayer de tirer dessus. Voilà. Waouh! Ah comment la balle elle a explosé là. Bon bah toi t'as plus de cuisses. C'est un peu tragique qu'est-ce que je lui ai fait. Donc là j'ai encore 2 officiers qui montent, j'ai l'impression. Donc on va changer d'arme, on va plutôt prendre une mitrailleuse, hein. Voilà, là par contre c'est beaucoup mieux. Ich halte euch den Rücken frei.
Une mitraillette, ça va lui faire pas trop de mal. Donc on a deux possibilités, c'est soit maintenant je fais attention à ma santé, donc là je vais essayer de déclencher ça, mais ça sert plus à rien. Vous voyez en fait l'effet par exemple du sabotage, vous avez pas forcément, comment vous expliquer ça? Ça fait quand même du bruit, mais c'est léger. Donc là j'ai décidé de me soigner. J'ai trois trousses, hein, c'est fait pour. Hein. Allez, on va tirer dans le réservoir. Si j'arrive bien sûr à stabiliser mon joueur. Ah, mon rythme cardiaque est trop élevé pour l'instant. Il est trop en stress. Allez, restons prudents. On va dégommer ça. C'est bon. Alors, un premier véhicule détruit. Waouh, comment il a volé avec cette balle, lui. Impressionnant. Waouh, waouh, waouh. Oh, j'ai tiré dans les grenades ou quoi? Parce que faut savoir aussi, vous avez la possibilité de tirer des fois dans des grenades. Ça fait des multifrags, par exemple, s'ils sont à plusieurs gardes. Ça, c'est marrant. Ouais, là, j'ai bien aimé, là. Encore un deuxième coup. Ah, j'ai plus de munitions. Encore un deuxième coup, vas-y. Stabilise bien le tir. Voilà, des fois, faut se mettre dans la position altitude, longitude. Heureusement qu'ils font pas encore l'humidité de l'air, etc. Parce que les vrais snipers... Croyez-moi, c'est pas tu tires sur une cible qui se trouve, je sais pas, à 600-700 mètres et que tu tires en ligne droite. Ta balle, en fait, elle aurait un point de chute. Donc, faut tirer limite 2-3 mètres au-dessus, à droite, pour qu'avec le vent, la balle va pile sur la cible. Ah, c'est très technique, hein, sniper. Hein. C'est pas comme dans les jeux vidéo, tout simplement, tu as un viseur et une lunette et que tu penses tout simplement que tout va tout droit, en fait. Malheureusement, non. Donc en fait il y a un point de chute, après il y a l'humidité de l'air qui peut te bloquer la balle. Après tu dois bien calculer l'altitude avec tous les trucs, hein. C'est vraiment waouh. Après il y a selon aussi les différents calibres que tu utilises, la balle n'a pas la même portée, etc, etc. Donc après je suis pas là pour parler de l'armement, on va éviter. Maintenant, alors là, je ramasse un petit peu de munitions. J'espère que ça va être un petit peu des balles de sniper. Effectivement, c'était le cas. Donc, c'est bon. J'ai récupéré un petit peu plus de rythme cardiaque. Ça fait plaisir. Donc là, vous avez vu, ça devient un tout petit peu plus facile. C'est bon. Ces gardes-là, je suis pas forcément obligé de les détruire. Hein. Oh, pile sur la cible. Trop fort. Un deuxième coup, vas-y. Non, malheureusement c'était pas trop ça. Là t'as tiré un peu trop. C'est bon, mais malheureusement ça n'a pas compté. Si, ouais ça comptait je crois. Bon, je poursuis mon objectif de tuer le mec un tout petit peu là-bas. Non, en fait ça m'a pas compté le véhicule à côté. Faut que je détruise quand même le dernier qui me reste. Oui, je vais lui mettre une onde en pleine tête. Regardez-moi ça. Aïe. Il va déguster. Oh, encore mieux. Quelle belle précision. Carrément à l'intérieur du canon. Je vous dis pas comment le mécanisme il a dû prendre cher, hein, de l'arme. Heureusement qu'il y a des mecs ici, donc il y a des mines. Donc c'est important aussi de fouiller les cadavres, hein, les corps, hein, que vous neutralisez. Parce que les ennemis ont quand même des bonnes... soit munitions, soit ils ont des mines, ou soit ils ont des explosifs, etc. C'est bon, on va disparaître. Normalement j'ai combien de gardes encore? Je sais pas, bon là je tire, je m'en fous. Je suis découvert, c'est pas trop grave. En tout cas mon objectif a été réussi, 5 sur 5. Je la joue beaucoup en objectif aussi, hein. Je cours pas non plus en ligne droite, hein. Ça m'intéresse pas. Parce que franchement acheter un jeu et faire que de la ligne droite, c'est pas intéressant. Nickel, donc là j'ai bien rechargé mon arme. Mais il y a encore des gardes. T'es sérieux? Il y a même un véhicule qui vient d'arriver. Oh, c'est pas vrai. Bon, là j'ai une technique que je vais essayer de faire à ma façon. En mode bourrin encore. Alors. On enlève le cache. Espérons que ça va marcher ma technique. Et là je remets un deuxième coup. Vite. Oh là là, j'étais carrément rouge. Vous avez vu tous les mecs comment ils me neutralisent? Et bah voilà, on a neutralisé le moteur. J'espère que ça va exploser. Comme ça je me fais un de ces trucs. Regardez les mecs qui me tirent encore dessus. Waouh. J'en ai neutralisé en moins combien? 5.
fastoche, hein, comme vous avez pu voir. Frag multi. Waouh, non, même 6. 5 ou 6 ? 5, je crois. Excellent quand même. Là, franchement, vous n'allez pas me dire que j'ai mal joué, parce que là, j'ai bien fait quelque chose de vraiment cool. En tout cas, ça m'évite de pouvoir, comment vous expliquer ça, les abattre un par un. Donc là, j'ai décidé de fouiller tout leur corps. On va récupérer une trousse. Je suis déjà à fond au niveau de la santé, c'est pas mal. Déplacement réussi. Là, je suis quand même prudent. Je vais pas m'exposer non plus gratuitement. Donc là-bas, il y a la cible, je crois, neutralisée. Donc encore des camions. Bah, ça reste quelque chose qui m'ont mis. Oh merde, un mec à la mitrailleuse lourde cette fois-ci. On va sortir quoi? J'espère qu'il va pas me voir parce que là, ça va être chaud. Bah si, il m'a détecté, mais il s'est pris quand même une balle en pleine tête. Ça va, la portée de l'arme, elle est quand même correcte. Bon, après, non plus, il faudra pas mettre, comment vous expliquer ça, la balle à 50 mètres, parce que bien sûr, avec cette arme-là, vous allez vous louper. Ou tout simplement, je pense que vous allez le chatouiller. Donc là, j'ai encore un individu de ce côté-là. Donc, espérons que je me fais pas trop voir. Boum, bah. Aïe, 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 aïe. Bon, on va se déplacer. Ah, comment ils montent, les mecs. Eh, c'est impressionnant, ils sont déjà là. Eh, les mecs sont super rapides. Ah, tiens, j'en ai un qui est caché là. Je vais essayer d'attaquer au corps à corps. Voilà, tais-toi. Ça y est, il a gueulé, le mec, et je me suis fait détecter. Elle a une grande gueule, quand même, le mec, hein. Donc là, je vais activer le truc, quand même, pour faire un peu plus de bruit. Même si je sais que ça va servir pas forcément à grand-chose. Mais ça pourra peut-être couvrir mes tirs. Ça y est, je suis détecté. Parce que comme un con, j'ai pas attendu le signal du truc. Mais c'est pas trop grave, ça je m'inquiète pas. Détecté ou pas détecté, le principal c'est que j'essaie de vite les abattre. Je vous conseille de mettre des petits coups, des tout petits à coups en fait, avec l'arme. Vous avez une meilleure stabilité que si vous tirez en rafale ou en continu. Plutôt en continu, vous allez tout simplement votre arme avec la détonation. On va tout simplement alerter les mecs. Même si vous êtes déjà détecté, mais en même temps, vous allez avoir pas mal de recul et vous allez être moins précis, par exemple, pour vous tirer. Donc là, je m'enfuis, hein. Je cherche pas à comprendre. Comme ça, je fais descendre un petit peu le niveau de. Donc là, il y a un officier à neutraliser, j'ai l'impression. Où est-ce qu'il est, le petit vénard? Waouh, je prends cher, hein. Et pourtant, j'ai disparu quand même de leur carte, hein. Mais ils m'ont quand même détecté, hein. Ils vont pas me lâcher, ils ont dit: ah, toi, attention, hein. On sait que tu te trouves dans cette position. On va pas te faire de cadeau. Quoi? Et si je te fais pas de cadeau? Bien joué, nickel. Alors là, il y en a un autre. Viens, mon petit, viens. Oh non, j'ai tiré dans un truc explosif. Je sais même pas c'était quoi. Je pense que c'était comme une radio ou comme un truc. Mais malheureusement, non. Oh lolo, c'est quoi ça? Il y a deux snipers là-bas ou quoi? J'ai vu une double truc là. Ouais, justement, il y en a deux, ouais. J'espère pas qu'il y en a que trois. C'est bon, mon rythme cardiaque, il redevient correct. Donc là, il y a une cible, hein, qui m'en chasse, hein. Je vais éviter de montrer mon postérieur, sinon je pense qu'il va me le neutraliser en deux secondes. Non, il y avait personne derrière le camion, parce que je pensais qu'il s'était réfugié derrière. Parce qu'avec un camion, bien sûr, si je commence à, comment vous expliquer ça, à tirer dessus, je pensais que le nazi en question était derrière et que tout simplement ça allait exploser. Mais malheureusement, non. Donc là, je vais bien verrouiller l'officier. Tiens, oh là là, je lui ai mis dans le casque, t'es pas sérieux. J'ai plus de balles. Il me reste 15 balles maintenant. Ouais, toi tu as été neutralisé. Donc c'est les deux mecs dans les tours qui me gênent maintenant. Mais c'était comme un jet de cobra carrément, quoi. Les mecs, ils ont sorti les deux crocs et les deux tirs se sont manifestés en même temps. Donc là, je prends une trousse au cas où. Ça m'évite de recommencer si on est confronté à quelque chose de beaucoup plus grave dans pas longtemps. Lui, je pense qu'il va être une cible fastoche. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est ce que toi tu dis.
Donc plus de munitions. C'est vraiment pas beaucoup. 9 balles, hein. Donne-moi des balles, toi. Waouh. J'exagère, mais c'est pas évident, là. C'est bon. Le chef a été tué. Oh, j'ai bien tiré, là. Frag à grenade. Dommage que lui, il a pas explosé. Voilà. Il me reste la dernière balle fatale. Je la réserve pour qui, à votre avis? Donc on va fouiller après le corps. Oh oh, j'entends des mecs arriver à toute vitesse sur moi là. J'espère tout simplement qu'ils vont m'épargner un petit peu. Non, 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 non. Parfait. Donc là j'en ai repéré un en bas, mais j'ai encore de quoi tenir. Hein. Alors, n'oubliez pas, il faut tirer doucement. Je ramasse le corps. Je fouille, pardon, le corps. Parce que ramasser le corps, ça me... j'ai pas du moins d'utilité. Donc maintenant, faut que je m'occupe des snipers qui sont sur la tour. Voilà. La petite balle qui va tout droit dans le dans le petit crâne de quelqu'un, là. Je pense que t'as aucune chance si ça t'arrive. Hein. Il m'en manque un deuxième, non, normalement. J'attends un qui vient comme par hasard. Tu sais même pas des fois d'où il sort, ces mecs. Je crois que là, il va la déguster, là. Bizarre en fait ce truc. On va fouiller le corps. Allez, on récupère les renseignements. Et après je sais pas qu'est-ce qui m'attend. Nickel. On va prendre des renseignements. C'est quoi ça? On me dit pas que c'est encore un char qui va arriver. Ah, il y a un mec planqué derrière. Général sera là dans quelques minutes. Ah ouais, carrément le général cette fois-ci. Donc alors comment faire? Donc pour neutraliser un général, ça va pas être évident. Je vais mettre un petit peu de tout. Alors je vais mettre des mines. Faut savoir que le temps que je les pose, bah le temps qu'il avance. Le temps plutôt la Jeep blindée du général elle avance. Voilà. Bon, on va mettre quand même une dynamite au cas où. Pose-la bien. Ah ouais, ça se lance pas comme ça. Hein. Voilà, je vais me mettre à l'abri. Parce que si je commence à être vu par le général, je pense qu'il peut faire demi-tour ou je sais pas comment ça se passe. Hein. J'ai pas envie non plus de risquer ce genre de choses. Donc là, je vais essayer de... Mais qu'est-ce que je fais, moi, comme connerie? Je lance une dynamite. Non, les jumelles, Body. Prends les jumelles. Donc là... Je vais faire quelque chose que je fais, que j'aime bien m'amuser de temps en temps. Donc je repère mes cibles où je les ai mis. Ok. Donc ma cible elle est juste là. Voilà, parfait. Trop fort. Il est mort. Nickel. Maintenant on peut évacuer le secteur. Et voilà, donc on a neutralisé très rapidement le général, et sachant que je savais même pas qu'il pouvait passer par là. Mais ça m'a fait marrer quand même, hein, vous avez vu. Je me suis bien avancé par rapport à ça, comme quoi qu'il fallait que je fouille quand même des gardes. Donc voilà, donc ici je vais vous faire visiter un petit peu le temple. Donc qu'est-ce qu'il y a à récupérer comme secret? Bah malheureusement il n'y a rien dans les fouilles archéologiques là, sur cette zone là. Ah, des trousses de munitions, des mines machin... Où est-ce qu'on doit passer, nous, au niveau de l'étoile? Donc voilà. J'ai fouillé les caves à la recherche du corps. Ma récompense, 3 mots. Le projet Zeuk. Donc voilà, qu'est-ce qui va nous arriver après? Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a quand même plu, parce que c'était pas franchement bâclé, là j'ai vraiment pris le soin de vraiment vous montrer, de toute façon j'aime pas bâcler les choses, j'aime bien faire les choses bien, mais là c'était quand même correct ce que je vous ai montré. Donc moi en tout cas je vous retrouve tout de suite pour la suite, on va essayer de personnaliser un petit peu les armes, pour vous montrer un petit peu les possibilités qu'on a au niveau des positions Alpha, Bravo, Charlie, Delta, et comme ça vous pouvez voir tout ce qu'on peut faire, donc il y a pas mal de choses vraiment cool, donc avec les niveaux en plus... On débloque des choses vraiment intéressantes. Donc j'espère que ce let's play vous fait plaisir. Moi en tout cas, j'aime bien et j'ai vraiment l'intention de vous montrer quelque chose d'assez sympa. Ok les amis, donc à tout de suite pour la suite.
Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout, merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et j'ai créé aussi un site internet. Ça vous permettra de tout simplement trouver pas mal de choses très intéressantes dessus. Tous les liens sont dans la description, et si vous cherchez aussi des bons plans, c'est également dans la description. A bientôt les amis, prenez soin de vous, et à très bientôt.